Shalom, shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes encore connectés, il est 17h47 heure de Paris. Alors nous sommes à la quatrième rubrique de la chronique du docteur, acte 4. Et aujourd'hui nous voulons traiter un sujet différent. Et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui parlera du chrétien et les affaires. Le chrétien et les affaires. Et comment le chrétien peut-il réussir dans les affaires? Comment le chrétien peut-il réussir dans ses entreprises? Quelles sont les voies simples à suivre? Quelles sont les voies bibliques? Les voies sans conséquences? Les voies sûres qu'un chrétien peut emprunter pour réussir dans ses entreprises, pour réussir dans son business. Je vous laisse en compagnie de la grande chante Sinach, qui nous gratifie ce morceau-là. Cela nous permettra d'avoir un peu de joie, d'avoir un peu d'inspiration. More of you. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes encore et encore, encore. Je t'aime parce que tu as fait de moi une nouvelle personne, une personne bénie, une personne qui a la vie. Je veux encore de toi, j'attends encore. Vous voyez, nous attendons encore beaucoup de choses de la part du Seigneur. I want more of you. The more I know you, plus je te connais, plus j'ai envie encore de te connaître. Jésus, j'attends encore beaucoup plus de toi. Alors en attendant que nos amis se connaître, j'ai vu là notre révérend Nassis Tomba, que Dieu te bénisse, shalom. Je vois Chelou Raphaël, que Dieu te bénisse. Oh, je vois aussi l'épouse de mon ami et frère, docteur Chirandi, je vois madame Chirandi, Christelle Chirandi, shalom depuis les États-Unis, depuis le Canada aussi, elle a cheval sur les États-Unis et le Canada, que Dieu te bénisse. Je vois Bridget Blessing Bass, pasteur. Depuis Londres, je vois Pasteur Gori aussi depuis Londres. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Alors, nous sommes en compagnie de Sinach. Oh, je vois la servante évangile. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas plus grand que notre Dieu, l'Éternel des armées. Il n'y a pas plus grand que lui. Nous attendons que vous vous connectiez. Aujourd'hui, nous allons changer de sujet. Nous allons finir avec ne juge pas. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème, le chrétien et les affaires, le chrétien et l'entrepreneuriat, le chrétien et le business. Comment spirituellement on peut réussir nos affaires? Et quand je finirai d'intervenir, d'exposer en 15 ou 20 minutes, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Alléluia. Oh, thank you, Christelle Chirandi. Nice to read you too. God bless you. I want more of you from Sinach, South Africa. Rachel Kutiali, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Lomo Shataka. Yes, Lord. Bien-aimé, shalom encore. Max Roland à tout, que Dieu te bénisse. Méfiance, Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Natouche Caprice, que Dieu te bénisse, ma fille. Sera divine, tu es bénie. Vous êtes sur la plateforme La Chronique du Docteur. Vous êtes en contact avec votre serviteur, le docteur Olivier Boni. Aujourd'hui, notre thème, c'est le chrétien et l'entrepreneuriat, le chrétien et les affaires. Comment réussir? Comment ne pas être pauvre en tant que chrétien? Comment ne pas être démuni? Il y a une petite règle avec une petite leçon que nous allons apprendre aujourd'hui.
Sans merci, tu es béni. Isabelle Béa, tu es béni. Cette petite leçon-là nous permettra de comprendre que Dieu, l'éternel Dieu, a tout mis entre nos mains. Alléluia. Invite quelqu'un, partage, demande à tous ceux qui ont eu rendez-vous avec moi aujourd'hui de se connecter. Nous allons commencer avec la parole. Serviteur parmi Jéré, que Dieu te bénisse. En hébreu urbain, que Dieu vous bénisse. Lydie Inge, que Dieu te bénisse. Shalom à tous, shalom, shalom. C'est l'acronyme du docteur. Aujourd'hui, nous changeons de thème. Nous avons fini avec le thème « Ne juge pas ». Et aujourd'hui, nous parlons des affaires. Nous parlons du business. Le chrétien et les affaires. Comment le chrétien peut-il réussir sa vie chrétienne dans le succès matériel, dans le succès financier? C'est vrai, nous allons au ciel, mais nous avons aussi besoin de ça sur la terre. Parce que c'est le manque de ces choses-là qui font que beaucoup font des pactes. Beaucoup se livrent dans des sectes. Et beaucoup font des sacrifices indésirables dans le but d'avoir des gains. Nous voulons étudier une petite leçon pour comprendre tout ceci. Jacques 3, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Rama Tuneli, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Dieu te bénisse, ma fille. Shalom, shalom. Amen, 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 que Dieu vous bénisse. Nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons commencer la parole. Et si tu es connecté avec moi, on va prier ensemble. On va prier ensemble, alléluia. Dis avec moi, béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Mon âme, bénis l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Je crois en l'éternel, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié pour que mes péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du calvaire pour que je sois sauvé. Je crois en Jésus-Christ qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour et qui est monté au ciel. Je crois en Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous. Je crois en Jésus-Christ qui revient bientôt pour prendre son Église avec lui et pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible qui est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Et je crois en la Bible qui est le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle telle que manifestée dans les actes des apôtres dans l'Église. Je crois en la vie éternelle qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui revient. Mon âme bénit l'Éternel. 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 Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous toutes qui êtes connectés, je vois le pasteur Efrécia Quadio. Pasteur, oh, je vois Fête Grèce depuis Abidjan. Shalom, ma fille. Je vois le pasteur Boli, que l'Éternel te bénisse.
Que l'Éternel vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons dans les Écritures, nous sommes dans le livre de Josué, Josué le chapitre 1, Josué le chapitre 1, nous sommes dans le livre de Josué, Josué le chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis la parole. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Écoutez maintenant ce verset qui va suivre, c'est le sixième. « Fortifie-toi et prends courage. » Waouh, « Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Fortifie-toi seulement, verset 7, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans toutes tes entreprises. Verset 8, et nous terminerons là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, regardez quelque chose. Pour ceux qui nous prennent en marche, je signale que nous sommes à l'acronyme du docteur Acte 4. Et là, depuis l'acte 3, nous avons fini un thème, c'était « Ne juge point ». Et aujourd'hui, l'acte 4, nous commençons avec un nouveau thème, « Le chrétien et le business », « Le chrétien et les affaires », « Le chrétien et les partenaires financiers », « Le chrétien et les partenaires sociaux », « Comment réussir sa vie chrétienne de façon saine, de façon sereine dans les affaires, en faisant les affaires ». Alléluia. Alors, le passage qui a retenu notre attention, c'est Josué, le chapitre 1, nous avons lu jusqu'au verset 8. Alors, écoutez ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, d'abord, numéro 1, si le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, nous avons le succès. Si le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, que nous le méditons, nous réussirons maintenant dans nos entreprises, dans toutes, et ça c'est très important, dans toutes nos entreprises. Alors, quel est le rapport entre la parole et le succès, le rapport entre la parole et l'entreprise? Alors, le Seigneur m'a fait une toute petite révélation. Alléluia. Une toute petite révélation. Je parlerai pendant 15 ou 20 minutes si je suis trop assez longtemps. Et nous allons ouvrir le micro. Notre numéro, c'est le 00 33 6 26 83 81 34. Plus 33 6 26 83 81 34. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp, vous pouvez nous appeler par Viber, vous pouvez nous appeler par un appel direct, peu importe. Alors, regardez le passage que nous venons de lire. Dieu est en train d'informer le monde que c'est à partir de la parole de Dieu que nous aurons le succès. C'est à partir de la parole de Dieu que nous allons réussir dans toutes nos entreprises.
Alors que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de recette magique pour créer des entreprises. Il n'y a pas de recette magique écrite noir sur blanc pour réussir dans nos affaires. Alors, comment il se fait que Dieu dise à Josué que cette parole-là est la garantie, cette Bible que nous tenons à l'intérieur de laquelle il y a cette parole, garantit le succès, garantit la réussite dans les entreprises. Alors, faisons attention. Le mot entreprise ici n'est pas une industrie. Parce que là, il s'agit de la pensée de Dieu, il s'agit d'un contexte biblique. Le mot entreprise n'est pas une industrie. Alléluia. Certainement dans l'acte 2, nous allons développer. Mais aujourd'hui, je veux ressortir la pensée pour introduire ce sujet. Dans l'acte 2, nous allons développer entreprise. Nous allons développer tous ces contextes que nous allons employer aujourd'hui, nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, entreprise n'est pas une industrie, mais comment la parole peut nous aider à réussir? Je prends le cas d'un témoignage que j'ai vécu quand j'étais venu pour la première fois en France. Je ne sais plus si c'est en 2001 ou 2002. Alors, je vais partager avec vous ce petit témoignage. Et à partir de ce témoignage-là, nous allons essayer de bâtir notre introduction sur ce thème-là. J'ai rencontré un frère qui avait un doctorat en économie. Il a étudié les sciences économiques. Il avait un doctorat et le frère n'avait pas d'emploi. Il s'est retrouvé avec une société de gardiennage dont il n'est pas le propriétaire. Et lui-même, il est vigile. Je ne suis pas en train de dire qu'être vigile, ce n'est pas bon si beaucoup de personnes gagnent très bien leur vie. Mais ce soir, je veux te dire que avoir ton entreprise de vigile sera encore meilleur. Alors, j'ai rencontré le frère qui m'expliquait plusieurs difficultés. Et je lui ai dit, quel diplôme as-tu? Il me dit, je suis docteur en sciences économiques. Il dit, quoi? Tu as étudié en économie, tu as un doctorat. On est dans les années 2001-2002, les amis. Et je lui dis, comment il se fait que tu n'as pas d'emploi? Je lui ai dit, ok, le salaire que tu as n'arrive pas à couvrir tes besoins. Alors que normalement, docteur, je suppose un seul instant que tu donnes des cours à l'université, c'est 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros. Tu commences juste à partir de 4 500 euros. Et là, tu te retrouves avec moins de 1 200. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas normal. Et à l'époque où je lui parlais, je crois qu'ils étaient encore en francs. Je crois, si je ne me trompe pas, ils étaient encore en francs. Alors, je lui ai dit, voilà ce que nous allons faire. Je vais te donner une recette. Parce que Dieu a dit à Josué, si tu médites la parole jour et nuit, alors tu auras du succès dans tes entreprises. La première question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce que tu es chrétien? Il me dit, non, je ne suis pas chrétien. Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas donner ta vie à Jésus. Il dit, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne pratique pas. Je lui ai dit, tu vas pratiquer. Tu vas devenir un bon chrétien et un très bon chrétien et tu vas comprendre pourquoi. Parce que quand on est chrétien, la règle d'or dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la règle d'or. Et la Bible dit, de ces deux règles dépendent toute la Bible, toute la parole de Dieu, toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, vous pouvez enlever tout et puis on garde seulement ces deux choses dans la Bible. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras Dieu de toute ta pensée, tu aimeras Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme, de toutes tes forces et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux versets sont suffisants pour créer la Bible. On peut effacer toute la Bible et garder ces deux versets. Jusque-là, il ne comprenait rien encore. Je lui ai dit, tu sais pourquoi l'amour est le verset central des Écritures? Je vais te donner le mystère de l'amour et les clés de l'amour. Parce que l'amour conduit au succès. L'amour conduit à la grandeur. L'amour brise la pauvreté. L'amour brise la malédiction. Et l'amour détruit les œuvres des ténèbres.
Ses yeux sont ouverts, il me regarde. Il ne comprenait pas encore. Je dis, regarde, là, tu me dis qu'il y a une société de gardiennage qui t'a engagé et ton salaire est tout petit. Quand tu payes ton loyer à 600 ou 700 euros, il ne te reste que 300 euros sur les 1000 euros qu'on te donne. Alors, 300 euros, quand tu payes ton transport le mois pour aller au travail, quand tu payes ton loyer, il ne reste même plus rien pour manger. Tu ne peux pas t'habiller, tu ne peux pas voyager, tu ne peux rien faire. Et tous les jours, tu as découvert, ça fait combien d'années tu es enfant? Il dit, ça fait plusieurs années. Il dit, je vis à crédit, présentement je suis endetté. Je lui ai dit, voici la raison pour laquelle je te demande d'être chrétien. Parce que quand on est chrétien, le Saint-Esprit nous aidera à vivre ces cinq lettres-là, amour, A-M-O-U-R. Ces cinq lettres-là, pour que nous puissions être des personnes épanouies. Écoutez ceci. Je lui ai dit, quels sont les amis ou bien des personnes avec lesquelles vous pouvez bien vous entendre, des gens que tu aimes bien. Alors, il me dit, je connais trois amis. Eux aussi, ils ne sont pas docteurs, mais il y a deux qui ont la licence et puis un a une maîtrise. Il dit, eux, ils font quoi? Il dit, eux, ils n'ont même pas un petit contrat de gardiennage, mais ils sont tous au chômage. Il dit, waouh. Et ils sont où? Il dit, ils sont sans abri. Ils dorment ici aujourd'hui, ils dorment ici demain. Je lui ai dit, bon, d'accord. Toi, va proposer leur CV à ton patron et dis-leur qu'ils veulent être gardiens. Il dit, ah, ceux-là, ils ne veulent pas être gardiens hein, avec leur maîtrise. Il dit, mais toi, tu es docteur, tu es gardien. Même s'ils peuvent être gardiens, dans la vie, on commence quelque part. Vous voyez, quand Dieu veut vous construire, il vous construit au bas de l'échelle. Quand Dieu ne construit pas quelqu'un avec l'ascenseur, Dieu te construit dans le brisement de telle sorte que le jour où tu commences à avoir beaucoup d'argent, ta tête ne s'enfle pas. Parce que Dieu sait que l'orgueil précède la chute. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc avant que Dieu te rende riche, avant que Dieu te lève, il prendra le soin de te briser d'abord. Ça, il faut retenir la leçon. Si tu es devenu riche sans brisement, fais attention. Fais attention. Tu risques de terminer tes jours sans tes richesses. Dieu va t'élever en te brisant. Job a été riche comme ça, alors qu'en réalité, il ne connaissait pas vraiment Dieu. Jusqu'à ce que dans le brisement, il dise, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je t'ai connu. Donc autrement dit, Job avait des bénédictions, il invoquait le nom du Seigneur, mais sans le connaître réellement, il n'était pas brisé. Et Job est reparti du bas de l'échelle à remonter, mais sûrement. Quand Dieu veut te bénir, il va prendre le soin de te corriger, de te délivrer, de te dépouiller correctement, de te dépouiller normalement, de te dépouiller véritablement, parce qu'il veut que tu termines la course sans que ton âme se perde. Alors je lui ai dit, dis à tes amis, dis à tes frères, dis à ces personnes-là avec lesquelles vous pouvez vous entendre, avec lesquelles il y a un lien véritable d'amour. Écoutez, quand on parle de lien véritable d'amour, ce n'est pas le sexe. L'amour, ce n'est pas le sexe. Ça, il faut qu'on ouvre la parenthèse parce que quand quelqu'un entend amour, tout de suite, il pense que quand tu dis à quelqu'un je t'aime, il pense tout de suite que c'est le sexe. On peut dire je t'aime à sa soeur, on peut dire je t'aime à son frère, on peut dire je t'aime à son fils, à sa fille, on peut dire je t'aime à son ami, on peut dire je t'aime à son pote, mais ça ne veut pas dire que c'est le sexe. Donc quand on parle d'amour ici, on parle d'un lien véritable, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. C'est de cet amour-là que je parle. Dis à tes frères de venir avec leur CV, présente-la à ton patron. Je vais prier et ton patron va les prendre. Dis-leur de commencer au bas de l'échelle. Même s'ils ont une maîtrise, ce n'est pas grave. Toi-même, tu as le doctorat. Et puis, tu es vigile. Ce n'est pas grave. Dieu, on commence toujours bas, bas, en haut, au fur et à mesure, step by step, étape après étape, jusqu'à ce qu'on arrive. Alors, écoutez la suite. Les trois déposent leur dossier. Et gloire à Dieu, le patron les recrute. Alors, j'ai dit, comme vous n'avez pas de logement, allez-y dormir dans le studio de votre frère là. Il paye le studio lui seul à 700 euros. Il n'a que 1000 euros. Alors que maintenant que vous êtes trois, le petit studio là
à 4000 euros à l'intérieur. Il y a 4000 euros désormais dans ce studio-là à l'intérieur. Donc, avant, lui seul, il payait son studio à 700. Maintenant, les 700 seront divisés par 4. Je n'ai pas ma machine devant moi. Si vous calculez, je ne sais pas combien ça peut donner. Combien ça peut donner. 700 euros divisé par 4. Quelqu'un puisse m'aider rapidement pour que le chiffre s'affiche sur l'écran pour que je puisse parler avec. Donc maintenant, les 700 euros sont divisés par 4. Alors, je suppose un seul instant que lui seul, il payait les 700 euros. Maintenant, il va payer peut-être 180 ou bien je ne sais plus. Vous voyez combien il économise. Alors, je leur ai dit, quand vous allez avoir vos 4000 euros à l'intérieur de la maison, voici comment vous allez faire le partage pour que votre vie s'améliore, pour que vous ne vivez plus à crédit, pour que votre vie devienne une vie d'entreprise. Parce que avant de commencer l'entreprise, il y a la base, il y a la fondation, il y a le fondement. On ne se lève pas comme ça pour bâtir une entreprise. Dieu a dit, ce n'est pas la parole. Alors, la parole commence bien quelque part. Il y a des gens qui ont la chance. Des parents ont tout fait pour eux. Mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas cette chance. Alors, si tu n'as pas cette chance, écoute-moi. Même si tu as cette chance, écoute-moi aussi, s'il te plaît. Parce que cette règle d'or que je donne peut t'aider demain. Quand je vois qu'il y a des gens qui se divisent, qui s'entretuent, il y a des familles qui se déchirent, qui s'entretuent, alors que soudés, on peut bâtir des empires. Alors, regardez le conseil que j'ai donné à ces jeunes gens sous l'inspiration de l'esprit. Ils se sont mis ensemble. J'ai dit, entendez-vous. Vous avez 4000 euros désormais dans ce studio. Deux personnes peuvent dormir sur le lit. Deux personnes dorment par terre. La semaine prochaine, vous changez. Les deux qui étaient sur le lit descendent. Et les deux qui étaient par terre montent. Alors, comment ça peut être possible s'il n'y a pas d'amour? Pour arriver à ce sacrifice-là, il faut qu'il y ait quelque chose dans son cœur. Il faut qu'on arrive à s'aimer véritablement. Parce que s'aimer, c'est quoi? C'est que ce que tu as est pour moi. Je ne vois point ce que j'ai comme étant pour moi seul. Aimer, c'est quoi? Ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne te le fais pas. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne me le fais pas. De telle sorte que, si tu aimes dormir sur le lit, toi seul, tous les jours, il faut comprendre que quelqu'un d'autre aussi voudrait aussi dormir sur ce lit. Donc, de temps en temps, mets un break. Descends du lit et laisse quelqu'un monter. Et après, l'autre semaine, toi aussi, tu descends, vice-versa. Ils ont suivi mon conseil. Et le mois est fini, leurs 4000 euros, j'ai dit, vous allez dépenser cet argent comme suite. Voici ce que vous allez faire. Les 4000 euros, vous avez 1000 euros pour les dépenses de la maison. Et puis vous avez 3000 euros pour garder. Vous avez 1000 euros pour les dépenses. J'insiste bien, vous prenez 1000 euros pour les dépenses de la maison. C'est-à-dire, vous payez dans les 1000 euros, vous payez le loyer à 700 euros et vous reste 300. Dans les 300 euros, vous allez payer l'électricité, vous allez payer la nourriture et les charges. Donc, avec 1000 euros, il règle les charges de la maison. Maintenant, il restera 3000 euros. Et je leur ai dit, les 3000 euros, mettez 1000 euros de côté comme un compte commun qui vous appartient. Il vous restera 2000 euros. Les 2000-là, partagez entre vous. Du coup, chacun d'eux se retrouve avec une cagnotte miraculeuse de 500 euros chaque mois. Donc, le frère qui seul était dans le studio, qui dépensait tous ces 1000 euros, arrive maintenant à économiser à lui-même 500 euros. Son vêtement a changé. Il arrive au moins à envoyer 100 euros à sa mère. C'est vrai, il ne peut pas envoyer beaucoup, mais au moins, sa mère ne regrette pas de l'avoir mis à l'école. Son père non plus. Il a de quoi aller de temps en temps se divertir au cinéma, de temps en temps voyager un peu. Vous voyez, la vie a changé. Et qu'adviendra-t-il des autres 1000 euros qu'ils ont gardés en commun? Dans l'année, ça fait une économie de 12 000 euros. Et je leur dis,
avec ses 12 000 euros, aller déposer à la banque comme un apport personnel. Et comme vous êtes maintenant des experts dans le gardiennage, dans cette entreprise de sécurité, vous-même, vous connaissez le métier, allez-y, créez votre entreprise de sécurité. Au bout d'un an de sacrifice, d'amour, parce que l'amour, c'est le sacrifice. L'amour, les amis, c'est le sacrifice. Au bout d'un an, ils ont eu une économie de 12 000 euros et ces 12 000 euros vont leur permettre d'avoir un crédit. Et avec ce crédit-là, ils ont ouvert leur entreprise de sécurité. Au bout d'un an, chacun d'eux avait une voiture, chacun d'eux avait sa maison à lui, chacun d'eux avait d'autres affaires, d'autres entreprises, parce que la société a commencé à produire, la société a commencé à être rentable. Les amis, vous qui m'écoutez, c'est vrai, tu es en train de dire, la précision c'est que quand les choses ont commencé à être rentables, que ça commençait à marcher, malheureusement pour moi, le pauvre docteur Olivier Bonny, je ne les ai plus vus. Alléluia. Mais je ne le regrette pas parce que j'ai été un canal pour leur prodiguer seulement des conseils pour leur permettre de rentrer dans leur gloire et dans leur destinée. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu brise avant d'élever les gens. S'ils avaient vraiment connu le vrai brisement, ils ne m'auraient pas oublié. Même, je ne sais pas parce que je demande forcément qu'ils viennent me donner quelque chose, mais au moins de temps en temps, bonjour pasteur, grâce à tes conseils aujourd'hui, on mange bien, on vit bien, on a des entreprises, on a des voitures, maintenant on voyage au pays 3 fois par an pour voir nos parents, on a acheté des maisons au pays. Au moins, on aurait dû me dire seulement un petit bonjour, parce que c'est un bonjour, c'est tout. Alléluia. Je n'ai plus de contact avec eux, je ne sais plus s'ils sont toujours restés dans la foi. Est-ce que l'entreprise a toujours continué? Parce que c'est ça, avec Dieu aussi, quand quelque chose commence, il faut aller jusqu'au bout. Si tu relâches, on ne sait pas ce que ça donnera. Alléluia. Alors, imaginez-vous un seul instant que ces frères-là n'étaient pas partis de là. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, moi je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'assistance, on ne peut pas me trouver un crédit. Mais si tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'assistance, on ne peut pas te trouver un crédit. Trouve un frère, trouve une personne, trouve des gens avec lesquels tu t'entends bien. La Bible dit, deux valent mieux que un. Ce n'est pas seulement pour le mariage. Ce n'est pas seulement pour le mariage. Deux valent mieux que un. C'est pour réussir dans les entreprises. Deux valent mieux que un. C'est pour pouvoir commencer au bas de l'échelle et avoir le crédit qu'on ne peut pas t'accorder à toi seul. Et ce que je suis en train de dire aussi, un couple marié peut le faire. Vous mettez les biens ensemble. Mais si vous êtes ensemble, que chacun a ses biens de part et d'autre, comment vous allez réussir? L'autre cache son bien à l'autre, l'autre cache son bien à l'autre. Vous ne vous asseyez pas pour faire une analyse commune de voir, pour voir comment vous allez dégager un pourcentage d'économie demain, obtenir un crédit pour bâtir une entreprise ou alors même obtenir un apport pour acheter une maison. Tout ça, c'est ça, réussir. Si tu médites cette parole, alors tu réussiras. Quelqu'un, une fois je parlais avec quelqu'un, oui, oh, par la prière on peut tout faire. Je lui ai dit, oui c'est vrai, par la prière on peut tout faire, mais laisse-moi te dire quelque chose. Je suis docteur. J'ai étudié la Bible pendant 16 ans. Avant d'avoir mes diplômes. Écoute ceci, c'est vrai, prier, même prier. Jésus a dit quoi? Si vous priez que vous n'avez pas d'amour, votre prière ne monte nulle part. Donc vous pouvez prier de 4 heures du matin jusqu'à midi. Mais si vous n'avez pas d'amour, 1 Corinthiens 13 dit, vous êtes comme un tambour qu'on tape. C'est-à-dire, vous faites du bruit, mais vous ne produisez rien parce que vos prières ne montent pas. Avant de commencer à prier, la fondation, c'est l'amour. Il faut d'abord t'assurer que tu n'as rien dans ton cœur contre personne. Il faut d'abord t'assurer que tu aimes ton prochain. Il faut d'abord t'assurer que tu aimes Dieu lui-même. Le tout, ce n'est pas de prier. Mais le tout, c'est de régler la fondation sur laquelle tu dois bâtir ta prière. La réussite a une fondation. L'entreprise a une fondation. Tout ce que nous faisons a une fondation. Et c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Même si tu me suis aujourd'hui en direct, que tu sois païen,
Parce que là, nous sommes en direct sur OBM TV, notre chaîne OBM TV, notre chaîne de télé. Nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes en direct sur d'autres réseaux sociaux. Vous nous suivez, même si vous êtes païen, que vous suivez en direct, que vous n'êtes pas chrétien, vous avez besoin de la parole. Aux États-Unis, des chefs d'entreprise vont payer leur dîme à l'église. Pourtant, ils ne vont pas à l'église. Mais ils ont compris que le succès se trouve dans la parole de Dieu. Quelqu'un me dira, oh, ce monsieur-là, il délire. Ok, tu peux dire ce que tu penses, mais ce conseil que je suis en train de donner à quelqu'un a porté ses fruits. Ça a permis à des milliers de personnes de sortir de certaines situations désastreuses, économiquement désastreuses, des situations économiquement catastrophiques. Deux valent mieux que un. Quatre personnes ont réussi à bâtir un empire. Une entreprise, une grande entreprise de sécurité. En un an seulement, leur vie a changé. Alors, si tu n'aimes personne, que tu es toi seul attaché dans ton coin, tu vas réussir comment? Une seule personne ne peut pas bâtir un village. Une seule personne ne peut pas bâtir une ville. Une seule personne ne peut pas bâtir un pays. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Même le riche lui-même, il a besoin que quelqu'un lave ses toilettes. Il a besoin que quelqu'un nettoie sa maison. Le riche nettoie pas lui-même sa maison. Il a besoin de quelqu'un. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez besoin d'aide. Et vous avez remarqué quelque chose dans la vie. Les personnes qui ont réussi, qui ont bâti leur empire seules, ont volé. Ont tous réussi dans le vol, dans l'escroquerie. Ont tous réussi, ils ont bâti leur empire sur le dos. Sur le dos d'autres personnes. Je prends le cas biblique de Zachée. Vous voyez, Zachée, oh Seigneur, était collecteur d'impôts, un receveur d'impôts. Tout l'argent transitait par lui. Et il a retenu. Il a escroqué ce qui revenait au peuple, il a pris. Quand Jésus a rencontré Zachée, regardez le brisement de Zachée. Zachée a couru devant le Seigneur. Pourtant, en Israël, un riche ne court pas. C'est les pauvres qui courent devant les riches. Mais Zachée a reconnu qu'il a l'argent, mais il n'est rien. Il a couru devant Jésus. Pourquoi? Parce que le poids de son vol l'accablait. Il est arrivé à un stade où il n'en pouvait plus. Il cherchait de l'aide pour être déchargé. Je veux attirer l'attention de quelqu'un. Quand Jésus est descendu sur Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si j'ai volé, je rembourse 4 fois. Et à partir de cet instant, je partage la moitié de mes biens et je le donne aux pauvres. Je donne la moitié, je la donne aux pauvres. Vous voyez un peu? Il a voulu bâtir son entreprise seul, mais il a volé pour le faire. Donc, vous pouvez être riche par n'importe quel moyen, mais est-ce que votre salut est garanti? Parce que Marc chapitre 8, le verset 8 dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier si à la fin il perd son âme? Tu es riche, tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des voyages, tu as des affaires, tu n'as aucun problème financier, tu n'as aucun problème matériel, ça va pour toi, mais à la fin tu vas en enfer. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Donc, vous comprenez que il n'est pas bon de s'enrichir par tous les moyens. Il est bon de s'enrichir à travers les fondements bibliques de telle sorte que ta richesse soit irréprochable. Sois riche sans qu'on te reproche quoi que ce soit. Il faut être irréprochable. Et Zachée est reparti dans le brisement. Le brisement que Zachée a fui l'a rattrapé. Alors, Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Donc, le salut est entré. Ça veut dire que jusqu'alors, Zachée n'était pas encore sauvé. Jusqu'à ce que Zachée restitue ce qu'il a volé et qu'il conserve ce qui est à lui. Donc, désormais, Zachée doit apprendre à vivre sur les fondements bibliques de la parole de Dieu pour reconstruire une richesse saine qui garantit le salut de son âme.
Bien-aimés, aujourd'hui, il y a une voie par excellence. Nous sommes dans des familles, on se dénigre, on se déchire. Nous sommes à l'église entre frères, on se dénigre, on se déchire. Nous sommes entre amis, on se dénigre, on se déchire. Alors que deux valent mieux que un. Tu n'as pas de paire de chaussettes. Il s'avérerait que moi j'ai déjà payé le prix, j'en ai deux. Je te donne une paire. Tout de suite, ta souffrance s'arrête. Vous voyez un peu comment l'amour, mais si je n'ai jamais envie de perdre ce que j'ai pour quelqu'un, j'ai deux paires, alors que mon frère est en train de se rouiller le corps dans sa paire de chaussures. Je pouvais bien lui donner une simple paire de chaussettes. J'aurais réglé un problème. Et au lieu de ça, on ira se mettre, oui, il n'a rien, il est comme ci, elle est comme ci, elle est comme ça, vous voyez. Même vous prenez le cas de certaines personnes qui se retrouvent à l'étranger aujourd'hui. Prenons la communauté camerounaise, la communauté ivoirienne, la communauté gabonaise, la communauté malienne, la communauté française, asiatique, américaine, whatever, peu importe. Je vous dis, si on apprend à se mettre ensemble comme les Chinois, on va avoir notre quartier. Chacun va avoir son quartier. Les Chinois ont leur quartier dans le 13e. Chinatown. Je n'ai jamais vu Cameroon Town. Je n'ai jamais vu Mali Town. En tout cas, si vous connaissez, informez-moi. Ça fait quand même, par la grâce de Dieu, un peu longtemps que je fréquente la France, depuis 2001 jusqu'en 2016. Par la grâce de Dieu, ça fait au moins 15 ans. 2017, ça fait au moins 16 ans. Je n'ai pas encore entendu Gabon Town, mais à Chinatown. Pourquoi? Parce que voilà des gens qui travaillent dans le même lien d'amour, ils travaillent soudés. Eux tous, ils ont le même visage. On ne sait pas à qui appartient la pièce d'identité. Là. Ils ont tous le même visage. Personne n'ira demander, « Oh, toi, là, tu ne ressembles pas à l'autre, c'est pas pour toi. » Personne. Et ils ont bâti leur entreprise comme ça. Personne n'ira dénoncer à l'autre. L'autre est au sous-sol. Non. Le lien d'amour soudé. Parce qu'ils savent qu'ils sont appelés à réussir. Et ils savent que la fondation pour réussir, c'est l'amour. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on bâtisse ensemble. Il y a une seule chose, même Dieu, dont Dieu lui-même a peur. L'amour. Parce que l'amour le caractérise lui. Quand les gens à la tour de Babel, les gens de Babel, se sont mis ensemble, regardez la tour qu'ils ont bâtie, ils avaient presque atteint les nuages. Parce qu'ils disent, ils vont trouver Dieu. Et avec l'amour, ils ont réussi presque à trouver Dieu. Dieu a dit, attention, ils deviennent dangereux et Dieu a frappé, il a fallu que Dieu divise. Donc vous voyez que l'arme qui nous empêche de construire et de réussir, c'est la division. Mais l'arme qui nous permet de construire et d'atteindre tout objectif, coûte, vaille que vaille, c'est l'amour, l'unité. Dans les actes des apôtres, on dit la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un simple cœur et une même âme. Et personne ne disait que telle chose lui appartenait à lui. C'est la raison pour laquelle Ananias et Saphira ont été tués. Actes des apôtres à partir du chapitre 5. Vous pouvez lire avant et juste après. Avant le chapitre 5, juste après. Ananias et Saphira qui avaient des propriétés devaient vendre et donner à ceux qui étaient pauvres pour éradiquer. Parce que l'amour éradique la pauvreté. L'amour éradique la souffrance et l'amour éradique la malédiction. Alors, Ananias et Saphira vont s'armer d'égoïsme. Ils vont d'abord vendre la moitié à déposer au pied des apôtres pour qu'on partage de façon équitable pour que les pauvres n'en souffrent point à cause du lien d'amour. Parce qu'une fois, j'en parlais, puis quelqu'un disait, mais pourquoi quelqu'un va vendre sa maison pour donner à quelqu'un? On dit, mais c'est à cause de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour que toi, tu sois sauvé. Donc, toi aussi, sacrifie quelque chose pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. C'est ça, l'amour. C'est pas mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Non. Qu'est-ce que tu sacrifies pour que ton frère là, ou ta soeur là, sache que tu l'aimes? Voilà l'amour.
Ananias et Saphira ont vendu. La moitié, ils ont gardé. Et ils sont allés présenter l'autre moitié aux apôtres comme étant la totalité des fonds vendus. Comme ça, on va encore partager la moitié là. Une moitié va leur revenir et puis l'autre moitié va être vendue. Et l'apôtre Paul lui dit, et Pierre lui dit, c'est comme ça que tu mens au Saint-Esprit, tu vas mourir. Ananias est tombé, Ananias est mort. Regardez comment, là où il n'y a pas d'amour, là, le diable frappe, la mort frappe, le péché frappe, la malédiction frappe, la pauvreté frappe, la souffrance frappe. Vous voyez, la mort rentre là, facilement là où il n'y a pas l'amour. Le diable s'installe facilement là où il n'y a pas d'amour. Et Dieu n'a pas permis que Ananias et son mari Saphira s'installent pour être un esprit de division dans cette église d'amour que les apôtres avaient la charge de bâtir. Vous comprenez que quand la trompette va sonner, tous ceux qui n'ont pas d'amour seront les premiers à rester sur terre. Mettez-vous ça dans la tête. La première chose que Dieu vous demandera, c'est l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, c'est à cause d'amour que Ananias et Saphira sont morts, ils sont allés en enfer. À cause du manque d'amour. La première clé, la première condition pour aller au ciel, c'est l'amour. Si vous ne l'avez pas, c'est même pas la peine. Parce que non seulement vos prières sont pas exaucées, votre jeûne, Dieu n'en prend pas plaisir. Tout ce que vous faites, Dieu ne regarde pas. Et je ne vois pas lequel des anges que Dieu dépêchera à tes côtés juste pour aller te garder. Et toi, tu n'aimes pas. Alors qu'il a fallu que Jésus meure pour l'amour de Dieu, pour que toi, tu sois protégé. Mais si tu n'aimes pas, comment les anges vont te protéger? Parce que les anges protègent ceux pour lesquels Jésus serait mort à cause de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Église, s'il vous plaît, le miracle, c'est l'amour. La solution, c'est l'amour. Arrêtons de nous dénigrer. Mettons nos forces ensemble. Je prends un exemple. Vous voyez un peu le style des tontines que les gens font. C'est parce que les hommes sont malhonnêtes, c'est ça. Sinon, c'est une des merveilles pour sortir les gens de la pauvreté. Mais il y a des gens qui prennent pour les autres, quand ça arrive pour leur tour, ils disparaissent. Et le club est cassé. Je prends un exemple. Si nous sommes 10, nous décidons chaque fin du mois de mettre 200 euros de côté. Alors, nous 10, ça fait 2000 euros, alors que moi, mon salaire de 1000 euros, je ne peux pas. J'ai sorti 2000 euros quel jour? Quand je finis de payer le loyer, c'est fini. Je ne pourrai jamais avoir 2000 euros jusqu'à ma mort. Jamais. Je ne pourrai jamais avoir 2000 euros jusqu'à ma mort avec un salaire de 1000 euros. Je fais comment? Bon, je parle en euros parce que là, je suis en France. Mais supposons que je suis aux États-Unis sans dollars. Si je suis en Afrique, sans CFA. 1000 euros, ça fait 600 000. Même 600 000, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre parce qu'aujourd'hui, tous les loyers ont flambé. Et puis, Abidjan, là, je ne sais pas, c'est dans quelle entreprise on a été payé 600 000. C'est pas versé dans les rues. Hein. Oh, ici en France, 1000 euros, c'est le premier salaire. C'est le SMIC, le premier salaire. En Côte d'Ivoire, je prends le SMIC de là-bas. On était à 30 000. Je crois qu'on est monté à combien? Les Abidjanais qui sont connectés, aidez-moi. C'est devenu combien? 50 000 ou 60 000. Donc là où le SMIC ici est 1000 euros, Abidjan c'est 60 000. Or, 60 000 que tu as, mon frère, ma soeur, le loyer d'Abidjan il fait 200 000. Un studio à 50 000. Donc, quand tu prends même le studio de 50 000, c'est pas dans n'importe quel quartier. Hein. Tu vas te retrouver quelque part où on peut t'agresser chaque fois que tu rentres du travail. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut avoir une maison de 200 000 pour être dans un quartier pour espérer vivre longtemps. Donc, tu ne vas jamais habiter là-bas avec tes 60 000, avec ton SMIC. Ce n'est pas la peine. Ce n'est même pas possible. C'est-à-dire, avec ton SMIC, tu es obligé d'aller dormir dans un sicobois quelque part. Alors que si vous avez 4 qui avaient 60 000 là, vous pouvez vivre dans une maison où il n'y a pas de danger. Mais quelles sont les personnes qui vont avoir cette mentalité, cet esprit d'unité là, pour comprendre qu'avec l'unité, avec l'amour, on peut sortir de la détresse? Voilà le problème, voilà la fondation, là où la parole de Dieu conduit au succès. On ne pourra jamais réussir s'il n'y a pas
s'il n'y a pas cet amour. D'abord, avant de prier, avant de jeûner, il faut d'abord ce fondement d'amour, cette fondation. Sinon, si nous ne l'avons pas, nous perdons notre temps. Parce que Dieu ne nous assiste même pas. Alors, bien-aimés, je crois qu'il est l'heure pour vous laisser intervenir, poser des questions. Je vous ai donné l'exemple des 4 diplômés, un docteur en économie, un master et puis 2 licences, 2 bachelors. Ils sont 4, ils ont bâti leur empire de sécurité et d'autres personnes ont profité de tous ces conseils-là. Ils ont réussi. Vous qui êtes dans les foyers, vous qui vivez ensemble, apprenez à mettre votre argent ensemble. Qu'est-ce que tu as? Tu caches ton argent, ta femme aussi cache son argent. Bon, l'argent que vous gagnez là, ça vous fait quoi même? Il faut bâtir. Tu travailles, ta femme travaille. Ou bien tu fais des affaires, ta femme fait. Apprenez à mettre ensemble. Il y a ce que vous gardez de côté. Il y a ce que vous prenez pour faire les dépenses de la maison. Et puis il y a ce que chacun garde pour lui-même peut-être envoyer l'argent à ses parents, etc. Voilà comment on peut réussir ça. Vous n'allez pas vous battre parce que on ne sait pas combien tu gagnes, on ne sait pas combien l'autre gagne, mais 2 valent mieux que 1. Votre manque d'amour va vous détruire. Dieu permet que les gens soient 2-2, 3-3, 4-4, c'est pour réussir. Ce que tu n'as pas, j'ai. Ce que tu ne peux pas, je peux. C'est pour réussir. S'il vous plaît, revoyons notre modèle de vie. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez intérêt à l'être. Parce que quand on n'est pas chrétien, on vit comme on veut. Un chrétien, quand il vole pour réussir, sa conscience ne lui dit rien. Mais tu vas aller en enfer. Zachée a été sauvé in extremis. Il a eu l'opportunité, l'humilité d'aller rencontrer Jésus. Quand vous volez pour réussir, tôt ou tard, vous allez tout perdre avant de repartir à zéro. Il y a des gens qui étaient bien dans le monde et quand ils sont venus à Jésus, ils ont tout perdu. Mais tu as volé. Donc, tu vas tout perdre. Et Dieu va te rééduquer, tu vas repartir. Depuis le bas de l'échelle, il va te briser, il va t'apprendre à ne plus voler, il va t'apprendre à payer le prix pour réussir correctement. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui m'écoute. Vous êtes sur la plateforme directe de la chronique du docteur, en compagnie avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonnet. Notre thème aujourd'hui, c'est le chrétien, le business, le chrétien et les affaires. Comment réussir ses affaires? Et aujourd'hui, nous avons lu Josué chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous avons ressorti que avec la parole, on peut réussir. Avec la parole, on peut bâtir une entreprise. Et comment? J'ai donné juste un exemple, un témoignage à partir duquel Dieu m'a utilisé pour sauver la vie de plusieurs personnes. Et nous avons abouti à toute cette exhortation que nous avons prodiguée. Alors, notre contact, c'est le 00 33 6 26 83 81 34. Plus 33 6 26 83 81 34. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez appeler par Viber. Si vous êtes en France, vous pouvez appeler directement. Je suis à votre écoute et s'il n'y a pas de questions, aujourd'hui nous avons juste introduit. La prochaine fois, nous rentrerons en profondeur et nous allons essayer de découvrir comment un chrétien peut faire des affaires avec des païens. Alléluia. Parce que ça aussi, ça pose un problème. Amen. Est-ce que si je suis un chef d'entreprise et que j'ai un autre partenaire, lui il est dealer, en tant que chrétien, je deal lui ou je deal pas? Point d'interrogation. C'est ça qui fait réfléchir. La chronique du docteur, ça va être pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons introduit avec le principe de l'amour sans lequel on ne peut rien bâtir dans notre vie chrétienne. Alors, notre téléphone est ouvert. S'il n'y a pas d'appel, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne un cœur d'amour. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous inonder.
Nous allons demander au Saint-Esprit de nous faire du bien. Nous allons demander au Saint-Esprit de guérir notre cœur. Parce que avant de continuer, même, il va falloir que nous fassions une étude sur le cœur. Parce que l'amour, c'est le cœur. C'est de là que tout part. Donc, il faut une étude approfondie sur le cœur. Vous devez savoir comment le cœur fonctionne spirituellement pour pouvoir gérer l'amour, pour pouvoir gérer nos intentions, pour gérer nos pensées. Si Dieu nous fait grâce, on enseignera par là avant de continuer sur. Parce que si nos cœurs ne sont pas réglés, ne sont pas bien gérés, tout ce que nous bâtissons, nous le bâtissons en vain. Dieu ne prend point plaisir. Dieu est amour. S'il n'y a pas l'amour en toi, que peux-tu faire? Rien du tout. Alors, notre téléphone est ouvert. Alléluia. Notre téléphone est ouvert. S'il n'y a pas de contact, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Alors, tu vas prier avec moi. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Nous voulons prier le Seigneur. Rabomo shatakaya. Dis avec moi, Seigneur, guéris mon cœur. La seule chose que le diable veut atteindre dans ta vie, c'est ton cœur. Il met la rancune. Il met l'orgueil. Il met la division. Il met la colère. Juste pour qu'il n'y ait pas de place pour l'amour. Parce que le diable sait que l'amour, c'est Dieu. Et là où il y a l'amour, là, on bâtit tout. Regardez la tour de Babel. Construit quelque chose depuis le bas jusqu'au ciel. Même les Américains n'ont pas réussi. World Trade Center n'atteint pas le ciel. Mais la tour de Babel est un exemple parfait d'amour. Et pour casser, il devenait tellement dangereux et puissant à cause de leur élan dans l'amour que Dieu a dû les frapper de division. Chacun a eu sa langue. Chacun commence à parler différentes langues. Ça veut dire qu'à la tour de Babel, ils parlaient la même langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te dénigre pas, tu ne me dénigres pas. Je ne t'insulte pas, tu ne m'insultes pas. Je ne te critique pas, tu ne me critiques pas. Je ne médite jamais le mal contre toi, tu ne médites jamais le mal contre moi. Je ne détruis pas ce que tu bâtis, tu ne détruis pas ce que je bâtis. On sait s'entendre pour mettre ensemble, pour créer, pour concevoir, pour réaliser. Et ce que nous mettons ensemble avec le même esprit, avec la même pensée, avec le même cœur, réalise des choses solides. Parce que pour détruire, le diable va falloir, il va falloir que le diable utilise un parmi nous pour détruire. Et si le diable n'a pas la force de pouvoir utiliser un parmi nous, il ne pourra jamais détruire. Toutes les fois que le diable a voulu frapper, il a utilisé toujours une personne pour semer le désordre. Pas une personne, il crée la division dans les familles, dans les entreprises, au milieu, dans les écoles, dans les universités, un peu partout. Dans le milieu politique, c'est par un que l'ennemi passe. Pour envoyer l'idée de coup d'état ou de je ne sais quoi, ça passe toujours par une personne qui a des ambitions très égoïstes. Seigneur, guéris nos cœurs. Saint-Esprit, guérit nos cœurs. Pendant que nos mains sont sur nos cœurs, Saint-Esprit, touche nos cœurs. Guéris nos cœurs de toute amertume. Saint-Esprit, guérit nos cœurs de toute plaie, de toute colère, de toute rancœur. C'est vrai, on a dû certainement encaisser le mal. Joseph a encaissé le mal que la femme de Potiphar lui a fait en l'accusant alors qu'il était innocent. Mais Seigneur, il n'en a pas tenu compte. Il a regardé le meilleur qui était devant lui, le meilleur qui était à venir. Et Joseph allait quand même en prison en persévérant, en ne gardant aucune rancune contre cette femme. Mais les amis, voyez une chose. Quand la femme de Potiphar et son mari ont fait jeter Joseph en prison, l'accusant de viol que Joseph n'a pas fait, et que Joseph a quand même persévéré avec son Dieu, et que Joseph est devenu gouverneur établi par Pharaon. Vous êtes sûr que Potiphar et sa femme ne sont pas allés se réconcilier avec lui parce que désormais leur sort dépend de Joseph? Si
vous savez vous retenir, si vous savez garder votre amour, si vous savez garder votre cœur, sans répondre aux injures, aux calomnies, si vous savez prendre des choses de façon pacifique, tôt ou tard, la personne qui s'est levée pour vous détruire, pour vous calomnier, pour vous nuire, finira par tomber à vos pieds. Potiphar et sa femme sont tombés aux pieds de Pharaon, aux pieds de Joseph. En voulant nuire à Joseph, ils l'ont aidé à devenir grand. Or, notre problème, c'est que nous voulons répondre à tout. Quelqu'un veut te nuire, peut-être même que Dieu a programmé ça expressément pour te rendre grand, pour te pousser dans ta destinée. Pour que Joseph soit gouverneur en Égypte, il fallait qu'il se retrouve en prison. C'est en prison que la scène de son élévation l'attendait. Mais qui allait le jeter en prison? Donc, la femme de Potiphar va être excitée par Dieu. Si nous étudions la Bible en profondeur, la femme de Potiphar va être excitée, je dis par Dieu, pour chasser Joseph, parce qu'il était tellement confortablement installé dans la maison de Potiphar, parce que Potiphar réussissait dans tout, à cause de la présence de Joseph. Ça fait que Joseph aussi, il se croyait au paradis. Dieu dit non, c'est pas ton paradis c'est le palais, c'est le haut niveau. Vous voyez, souvent nous sommes dans des endroits, nous pensons que nous sommes arrivés, on ne veut plus rien faire. Tu penses que tu as l'argent, alors que ce n'est même pas ce que Dieu veut te donner, le mieux est ailleurs. Donc comme tu n'as plus envie de bouger, Dieu va créer une situation pour te jeter là-bas. Comment? C'est la même chose pour Abraham. Lisez Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, lève-toi de ton pays. Les amis, c'est compliqué. Hein? Abraham était héritier. Il était propriétaire terrien. Il était tout. Va-t'en de ton pays, dans le pays que... Le pays que j'ai choisi pour toi. Mais attends, Abraham est déjà à l'aise. Il est déjà à l'aise, Abraham. Abraham est déjà à l'aise. Mais la version hébraïque nous permet de mieux comprendre. Dans la version hébraïque, quand il dit Abraham, va-t'en, il a dit quelque chose. Il dit, lech lera, c'est-à-dire, va pour toi. C'est-à-dire, autrement dit, va dans ton intérêt. Ça veut dire quoi? Lech lera. Parce que quand nous lisons la version 8 secondes, va-t'en. Bon, ça n'explique pas bien, mais lech lera. Va pour toi. Va dans ton intérêt. Autrement dit, tu penses que là où tu es héritier, tu as les terres, tu as tout, mais ce n'est même pas ce que moi, Dieu, j'ai programmé pour toi. Je rendrai ton nom grand. Ici, ton nom est encore petit, tu es héritier, puis ton nom est petit. Je rendrai ton nom grand. L'air, les rats, va dans ton intérêt. Quand Abraham est parti aujourd'hui, vous avez vu, le nom d'Abraham n'est pas devenu plus grand que quand il était de l'autre côté. Voilà la réalité. Si tu n'as pas envie de bouger, Dieu va te faire bouger. Et je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un qui m'écoute. Tu penses que là où tu es assis, peut-être que tu as tout, tu es à l'aise, mais c'est même pas là que Dieu veut que tu sois. Dieu a le meilleur pour toi. Dieu, il y a quelque part ton bonheur ou ta gloire qui t'attend quelque part. Et tu es tellement à l'aise que tu ne pries plus, tu ne fais plus rien, tu ne bouges plus, tu ne fais aucun projet, tu ne penses plus à rien. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Dieu va créer des événements qui vont te chasser de là juste pour que tu rentres dans ta gloire. Come on! La femme de Potiphar pensait nuire à Joseph, mais elle va l'aider. Elle va l'aider. Le rendez-vous de l'élévation de Joseph était en prison. Le rendez-vous était en prison. Mais qui allait le pousser en prison? La femme de Potiphar, si vous analysez bien, Dieu n'a rien dit. Pourquoi Joseph, un serviteur humble, un serviteur loyal qui vit sans péché, on l'accuse et puis Dieu ne parle pas? Vous pensez que si Dieu n'est pas derrière ce plan-là, il ne va pas parler? Attends, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et puis Dieu, il est là, il te répond, puis on t'atteint comme ça. Et puis Dieu ne parle pas. Non. Si ce qui t'est arrivé là, Dieu ne parle pas, c'est que la main de Dieu est derrière. C'est que la personne qui pense te faire du mal là, Dieu est en train de l'exciter pour te pousser dans ta gloire. C'est-à-dire, Dieu est en train de te séparer. Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de te délivrer. Dieu est en train de t'extirper de là où tu es coincé pour te projeter dans ta gloire. Dis Amen, Amen. Dis Amen 2017 fois. Parce que c'est ce qui va t'arriver. Il y a même des gens qui sont dans des boulots. Ils pensent que
Ils sont tellement bien payés, ils pensent que c'est le seul boulot qui a de l'avenir et ils ne veulent plus postuler ailleurs. Je suis en train de prophétiser. Si je suis prophète de l'Éternel, je suis en train de te dire, là où tu as ton boulot, où tu penses que tu es tellement bien payé, tu es tellement bien placé, on ne peut rien faire, lève-toi, va postuler ailleurs. Le meilleur est ailleurs. Sors de là, va postuler ailleurs. Come on, je prophétise, je dis, sors de là, va postuler ailleurs. Continue de travailler là où tu es, mais va postuler ailleurs parce que le meilleur est à venir. Dieu a autre chose pour toi. Je suis sous l'onction, je suis sous l'esprit et je suis en train de prophétiser sur la vie de milliers de personnes qui sont en direct avec nous. Et beaucoup vont rendre témoignage parce que là où vous allez quitter, l'argent que vous allez avoir, le salaire qu'on va vous proposer, le confort qu'on va vous proposer de l'autre côté sera nettement supérieur à ce que vous avez maintenant. Tu penses que tu travailles, tu as tout, mais ce n'est pas suffisant. Lève-toi encore, cherche, parce que le meilleur est à venir. Chers amis, laisse Dieu pénétrer ton cœur. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Laisse le Saint-Esprit façonner ton cœur. Laisse le Saint-Esprit briser ton cœur. Abandonne la colère. Les frustrations font que tu ne t'entends avec personne. Ça fait que même si quelqu'un a une opportunité, la personne ne pourra même pas venir te la proposer pour que toi tu puisses entrer dans du travail. Il y a des choses que quelqu'un peut... On peut t'introduire. Mais si tu n'aimes personne, tu es dans ton coin, qui va t'introduire? Il faut apprendre à vivre en communauté. Il faut apprendre à être sociable. C'est la base du succès. C'est la base de la réussite. Il a dit à Josué, alors tu réussiras. Fonde-toi sur la parole. Or, la parole elle-même est fondée sur quoi? L'amour. Fonde-toi sur l'amour, tu réussiras. Tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça coûte quoi de t'entendre avec la personne qui est à côté de toi? Ça coûte quoi? Ça coûte combien? Même si tu es chef d'entreprise, tu te rends compte que même étant chef d'entreprise, tu as besoin d'employés. Ah, parce que toi seul, tu ne peux pas gérer ton entreprise. Donc, on monte, on descend. La loi de l'amour est pour tout le monde. Même prenez tous les grands groupes, CIE en Côte d'Ivoire, EDF, Bouygues et autres, toutes les grandes entreprises, enlevez tous les employés. Est-ce que les DG, les directeurs et autres, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent soulever les cartons, monter, ils peuvent aller sur le terrain, ils ne peuvent pas. Donc on monte, on descend, nous avons besoin de notre prochain. L'amour sera le fondement et la fondation de toute entreprise, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, whatever you are, quel que soit ce que tu es, l'amour est la fondation. Tu auras besoin de ton prochain pour bâtir ton empire ou ton entreprise, peu importe que tu sois chrétien ou non chrétien. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons de nous dénigrer, arrêtons de nous tuer. Parce que celui que tu es en train de dénigrer là, tu ne sais même pas si il est la clé que Dieu a déposée devant toi. Un jour où tu seras coincé, où personne n'aura envie de t'aider, peut-être même que c'est lui la clé pour ouvrir la porte. Il faut apprendre à aimer son prochain. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre. Et c'est pour cela que je crois qu'il est nécessaire que nous puissions travailler nos cœurs. Alors, attendez-vous à moi certainement le lundi ou le mardi à un direct. Avant le vendredi et samedi pour les prochaines rubriques à un direct, je veux parler du cœur, à la découverte du cœur de l'homme, de façon spirituelle, de façon scientifique. Nous voulons sortir le cœur, permettre de comprendre le cœur, pour voir, parce que si vous ne connaissez pas comment le cœur fonctionne, vous ne saurez jamais gérer les histoires de colère, votre amour ne sera jamais profond et Dieu ne sera jamais avec vous. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ta prière. Il a besoin de ton cœur. Parce que si Dieu a ton cœur, alors Dieu lui-même bâtira une vie de prière dans ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton jeûne. Dieu a besoin de ton cœur.
Si Dieu a ton cœur, alors il te bâtira une vie de jeune. Seigneur, merci de guérir nos cœurs. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est dans mon cœur bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez une église, restez dans vos églises, obéissez au conducteur. La Bible dit obéissez au conducteur, ayez pour eux dans le livre d'Hébreu, Hébreu 13, 17, ayez pour eux de la déférence. Ne les faites pas gémir, parce que si vous les faites gémir, ça ne sera d'aucun avantage pour vous. Soyez dans l'église, bâtissez pour le Seigneur. Si vous avez une église, restez dans vos églises. Ce n'est pas bon de déloger les gens de leurs églises. Mais si vous n'avez pas d'église et si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à l'église. Je vous invite à l'église. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est aux deux plateaux, boulevard Latry, derrière la station Oil Libya. Vous allez voir la gare des taxis, Yokougon, Cocody. Derrière la station Oil Libya, vous allez trouver un terrain de tennis et l'église est là. Vous verrez si peu la Renaissance. Pour ceux qui sont du côté de Paris, où j'y suis, où je suis présentement, c'est au 18 rue Cuvier, 9300 Montreuil. 18 rue Cuvier, Cuvier C-U-V-I-E-R. Je vous invite demain à célébrer l'Éternel. Du côté de Paris, c'est à 9h30 et du côté d'Abidjan, c'est 7h. Donc, je reprends les adresses. Abidjan, c'est Cocody, les deux plateaux, boulevard Latry, derrière la station Oil Libya, la station qui est en face des gares de taxi. Et derrière la station, vous allez voir le court de tennis. L'église est juste à côté. Demain dimanche, le culte, c'est à 7h. Et à Paris, c'est au 18 rue Cuvier, 9300 Montreuil. Si vous prenez le 77 bis, votre GPS vous laissera au moins à 100 à 200 mètres de l'église. Mais le 18 rue Cuvier, le GPS vous descend juste devant l'église. Vous verrez l'entrée par la porte du garage. Le culte, c'est à partir de 9h30 pour les nouveaux, pour nos invités. Mais pour tous les fidèles qui sont déjà de l'église, ils savent que depuis 8h, 8h30, tous les départements sont en activité jusqu'au début de l'école de dimanche et de l'adoration. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec nous. Faisons cette prière et laissons Dieu entrer dans nos cœurs avant de se dire au revoir pour se retrouver certainement lundi pour parler du mystère du cœur. Lundi, certainement à 20h, 22h, permettre à tout le monde d'être à la maison pour parler du mystère du cœur. Je prie le Seigneur. Je crois en l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Mets ta main sur ton cœur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du calvaire pour que je sois sauvé. Je crois en Jésus-Christ, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ qui intercède pour nous et qui revient bientôt pour prendre son église avec lui et pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible qui est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit et je crois en la Bible qui est le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église qui est, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle telle que manifestée dans l'Église, dans les actes des apôtres. Je crois en la vie éternelle qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui revient. Béni soit l'Éternel. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen et amen. Ladies and gentlemen, vous étiez en contact avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonny. C'était la chronique, la rubrique, la chronique du docteur. Et aujourd'hui, nous avons parlé de comment réussir dans nos entreprises, que nous soyons païens ou que nous soyons chrétiens, comment réussir dans nos entreprises. Et nous sommes partis sur la base biblique de l'amour,
et qui est le premier fondement sur lequel Dieu a tout bâti. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime abondamment et j'espère que vous m'aimez aussi. Alléluia. Priez beaucoup pour moi, pour que Dieu m'inspire, pour que nous puissions développer de ces sujets-là, afin que le monde ne souffre plus, afin que tous ceux qui viennent à Jésus ne souffrent plus, qu'on puisse bâtir dans l'unité et triompher, avoir du succès et réussir dans nos entreprises. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à très bientôt. À très bientôt, à très bientôt. En hébreu, c'est Lehi Traot, Lehi Traot. Bonne semaine à vous. En hébreu, Shavuot Tov. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Vous qui nous avez suivis sur OBM TV, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis sur YouTube, sur tous les autres réseaux sociaux, sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos appréciations. Merci pour vos commentaires. Tous les pasteurs, j'ai vu plus d'une vingtaine de pasteurs connectés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. C'était votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, dans la rubrique La chronique du docteur. Bye bye.